Jacques d'Avril, sorti bientôt du tournant, avec toujours l'avantage pour le numéro 7, Brutus de Bailly, qui lutte avec Billy de Montfort, avec Brillantissime également, qui s'est rapproché. Ligne d'arrivée avec Billy de Montfort, qui lutte avec Brutus de Bailly, Brillantissime, qui tente de refaire le coup de terrain. Billy de Montfort, Eric, est-ce que c'était la course rêvée pour Billy? Ouais, c'est vrai que j'ai bénéficié d'un excellent parcours. Le cheval qui nous aurait devancé aussi a bénéficié d'un excellent parcours parce qu'il avait moi comme dos. Mais la jument, elle ne démérite pas, elle a vraiment fait une super valeur. C'est une victoire heureuse, mais quand vous avez la forme prime la classe. Justement, t'étais battu ou pas à Milling Rock? Ouais, j'étais battu. Joss m'avait pris la mesure, puis j'ai vu que son cheval s'est déglingué. Bon, bah, je vous dis, hein, je me répète, c'est de la chance, mais il faut en profiter. On est extra! Seb, malheureux la dernière fois, heureux aujourd'hui? Ouais, mais l'autre jour, elle avait eu un mauvais parcours, mais bon, on était un peu déçus, mais là, un peu de chance parce que la jument était que deuxième, et puis je pense qu'elle était que deuxième, et le cheval à Philippe Allaire a fait la faute, donc on gagne sur tapis vert. Mais bon, elle a fait une belle course, ça marche 14-4. Elle prouve quand même que c'est la meilleure pouliche qui court en ce moment, donc c'est super. Bébé, deuxième, heureux? Bah, très bien, le cheval fait une super course. Hein. On a couru pour gagner, on est battu par une suceuse. Ouais, mais Riquet, il a amené, voilà, archi battu, il nous prend notre dos tout le temps. Voilà, on est battu par un sniper, nous on a couru pour gagner, on est battu un peu à la fin. Attends, il marche 14-7, il n'y a rien à dire, hein, c'est un super cheval. Non, on a encore des réglages à faire, je pense avec Jean-Louis, on va voir. Moi, je trouve qu'on avait raccourci un peu l'enraînement, ça faisait un peu trop. Donc je pense qu'il faut qu'on rallonge un peu. En tout cas, maintenant, il est étalon. Ouais, étalon, c'est sûr, mais c'est mieux qu'on gagne quand même. Non, bah, c'est pas une surprise, l'autre jour il gagnait, il était à la lutte avec Brutus de Bailly. Le cheval il refait sa valeur, il était un peu défraîchi de la course de l'autre jour et puis peut-être de l'ensemble des courses de cet hiver. Concernant le parcours? Bon, il a eu un bon parcours, il a un parcours en or, il y a Billy de Montfort qui est dans notre dos, il y a Brillantissime qui est dans notre dos. Donc non, il a un bon parcours, au niveau, il a un parcours à la fois pour être là mais sans être trop offensif. Je pense que si le cheval avait eu un peu plus de fraîcheur, il aurait été à la lutte avec Brutus de Bailly pour une deuxième place. Quoi.